Envoie ces moutons au sacrifice! Approche, Perse! J'apporterai ta tête à Xerxès! Spartiate insolent! Viens la chercher! Ta lignée s'éteint aujourd'hui, Spartiate! Je boirai ton sang et les corbeaux dévoreront tes yeux! Va essayer, oui! Et tu vas échouer! Xerxès est le roi des rois! Le monde s'agenouillera devant lui après ta défaite! Assez parlé, approche! Tu vas mourir! Mon fils! Rien ne résiste à Sparte!
Trahison, mon roi. Xerxès connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiates. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxès aurait anéanti ta nation. Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Waouh, c'est du lourd, Leïla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss, boss. Je vais te le préparer. Alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Non, c'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrai toujours modifier les valeurs plus tard. Ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus. Envoie-moi tout ce que tu as comme info. Je ne veux pas aller là-bas à l'aveuglette. Entendu. Tu pourras toujours changer d'avis plus tard. Écoute, Leïla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homer. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts Issous, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais... Il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord, d'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel? Ce manuscrit est dans un sale état. Et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Il nous mettra sur le bon chemin, j'en suis sûre. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an -431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, hé, Victoria, lis-le, ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Restitoni toro,
seule vermine! Descends de là! Le Cyclope a un message pour toi! Dis à ton chef qui peut s'asseoir dessus! C'est pas la semaine dernière! Malaka! Le Cyclope a dit que tu aimais jouer les durs! Alors vas-y! Approche un peu, et je vais te montrer. Tu devrais le savoir depuis le temps. Le Cyclope récupère toujours son argent. Je vais te donner une leçon. Le Cyclope se sent une âme de précepteur. Dis-lui de venir... La semaine dernière. Chaque semaine, c'est pareil. On sent d'avoir assez. Ah. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Foyer B. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Bah voyons. Sers-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icaros? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios? Tu pourrais peut-être lui demander. Phoebe. On en a déjà parlé. Je sais, je sais. C'est rien qu'un aigle. Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison, dans son vignoble. Attends, un vignoble? Malaka! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Et où est-il, ce magnifique domaine de Marcos? Tu vois la statue de Zeus sur le mont Aïnos? C'est un peu plus au sud. Depuis quand il a un vignoble? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes? Je n'en sais rien. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Fouibé. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Oh, ma tête! Dégagez, et dites au Borgne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. J'irai voir Marcos dès que je serai en tenue. Je dois passer ça.
vais jeter un coup d'œil. Rage, tu n'as rien à faire ici. Chargeur!
Par les dieux, qu'est-ce qui s'est passé ici? Μάλλον το αιμαυτό λέγω φε. Μάλλον αυτό τη ίστιμη λέγω αιμαυτό. Τι έστειλε. Μάλλον αυτό τη πίστη. Λέγον αυτό. Μεθαλμή μου πεσέβουσε.
Dieu, ça brûle! Ah, je dois éteindre ça. Ah, on sent... Non, non! Ah, ça fait flamme! Ça suffit!